Il y a de cela bien longtemps, le jour du solstice d'été, un jeune homme rentre chez lui après sa dure journée de labeur à la verrerie. La nuit commence à tomber. Alors qu'il arpente les rues de son village, au détour d'une maison, il est ébloui par une forte lumière blanche. Lorsqu'il entr'ouvre les yeux, il aperçoit une femme entourée d'un halo lumineux, une dame blanche. Il s'agit de Marie-Amélie de Lutzelbourg, propriétaire des terres sacrées du Val de Valérie. Marie-Amélie, ou plutôt son fantôme, qui est là, en train de lui tendre un trousseau de clés dorées. Comme hypnotisé, le jeune homme s'approche et prend les clés. Marie-Amélie l'invite à la suivre, jusqu'ici, au numéro 2 de la rue des Verriers. Il monte les quelques marches du perron. Le jeune homme ouvre la porte rouge sang et tous deux entrent. Il fait sombre. Quelques lumières éclairent le grand hall noir et blanc. Marie-Amélie demande au jeune homme de s'installer juste là, sous les bouquets de fleurs séchées. Et là, elle lui fait la promesse qu'ici, son âme reposera en paix à tout jamais.